Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play sur Starlink. Aujourd'hui, on est au même endroit où on s'est quitté la dernière fois, devant la planète Sonatus, et on va amorcer la descente. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un bug. C'est bien ce que je pensais. C'est notre jour de chance, on dirait. Voilà, j'étais coincé dans un astéroïde. Je sais pas si je suis toujours coincé. Faites voir. Ouais, je suis coincé dedans. Génial. J'ai des ennuis. C'est ça, ouais, Phil. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play de Starlink. Aujourd'hui, on va reprendre exactement où on s'est arrêté la dernière fois devant la planète Sonatus et on va amorcer la descente sur la planète. Vous venez d'où déjà? Vous pouvez détruire les extracteurs, mais vous n'êtes pas avec les autres hors-la-loi? De la planète Gadou? Non, la Terre. Pas loin. Oui, et surtout, leur vaisseau mère a un moteur à Nova. Vraiment? Oh, j'adorerais l'étudier. Allez, tu devrais venir avec nous! Bon, on n'a plus de lit, mais tu peux faire comme moi et dormir dans le vaisseau d'Hunter. Comment ça? Peut-être plus tard. Alors, pour le deuxième extracteur. Non, mais ça ne saurait tarder. Ça y est, j'arrive à l'endroit où il y a l'extracteur et d'ailleurs on peut dire que les nuages sont très 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 noirs. Corruption atmosphérique détectée. Moteur de vol affecté. Bien essayé. Connaissance de l'arme augmentée. Oh purée. Soda et extracteur HS. Thank you.
Et voilà, je l'ai explosé. C'est cool. J'ai éliminé l'extracteur. Des nouvelles de ce Prime ? Le Prime vient de poser un autre extracteur. Une fois détruit, ça devrait marcher. Mais il faut faire vite. Ces extracteurs, ils font énormément de dégâts. Je ne sais pas si Sonatus s'en remettra. Ah, ça m'énerve tellement ! Cette planète est splendide ! Comment ? Ah ! Grax va payer pour ce qu'il a fait ! C'est vrai ? Il y a vraiment quelqu'un qui contrôle la Légion ? J'en ai peur. Ce Grax a réussi à mettre la main sur des technologies des gardiens. Et il l'utilise pour reformer la Légion ? Mais où est-ce qu'il trouve la Nova nécessaire pour ça ? Il a notre noyau de vaisseau. Ça pourrait suffire ? Peut-être. Il faudrait que j'examine un Prime pour en savoir plus. Mais c'est quoi le rapport avec Grant ? Et Grax a même pas demandé de rançon. Tu sais, à la télé, il demande toujours une rançon. Oh ! Et s'il a pas notre numéro de téléphone ? On fait comment ? On lui demandera quand on le trouvera. C'est bizarre, il est pas comme d'habitude. Ah ouais, d'accord, regardez ce qu'il y a là. Bon ben ça va, celui-là je l'ai one shoot du premier coup. J'ai déjà vu plus dur. Et de 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, je savais que ça marcherait. Alors, le Prime est ici. Vite, avant qu'il en pose d'autres. Bien reçu. Connexion établie. Piratage des données de la Légion en cours. Restez à proximité. Alerte. Renfort de la Légion arrivé. Piratage réussi. Données de la Légion traitées. Qu'est-ce qui se passe avec mon repère ? Il bouge ! Le Prime est rapide pour sa taille. Il faut faire vite. Tire dessus!
Un grand merci. Sans votre aide, je me serais retrouvée à engraisser la faune. What the fuck? Regardez comme il bouge. On n'a jamais affronté un truc comme ça avant. Prends ton meilleur équipement et vas-y à fond. Alerte. Renfort de la Légion en approche. D'accord, donc au final c'est un peu le même système que pour les extracteurs. Faut d'abord tuer les monstres secondaires avant de l'attaquer lui. Il ouvre pas sa coque, cet enfoiré. D'accord, je viens de comprendre. Et c'est pas simple. C'est impressionnant, hein. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi gros. Il est touché. Je crois qu'il essaie de s'enfuir. Il ne faut pas perdre sa trace. Il faudrait le suivre. Chaud, chaud, chaud. Mince, je suis con.
le sens. Ah, j'avais pas prévu ça. Allez, 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 allez. Mince. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ouais, forcément, il s'est restauré les... Je l'aurais pas cette fois-ci. J'étais trop mal placé, il fait chier. Renfort demandé par le Prime. Voilà, cette fois-ci, je suis du bon côté. Putain, je l'ai eu, yes! Le Prime puise de l'énergie de ses extracteurs. Et si la destruction du Prime libérait cette énergie dans la nature, ça pourrait nous permettre d'arrêter définitivement la Légion. Le Prime doit contenir un noyau de Nova. Quelqu'un peut me l'apporter? Bon ben voilà, c'était un petit boss quand même plutôt sympathique, je trouve. Un grand merci. Sans votre aide, je me serais retrouvé à engraisser la faune.
Merci pour tout. Je peux retourner à mes recherches. Il y a des choses plus importantes pour l'instant. Revenez quand vous aurez terminé. Ok. Ah, intéressant. Super. J'ai encore deux, trois choses à régler et je vous rejoins au... comment s'appelle votre vaisseau déjà ? L'Equinox. Vous montez à bord ? Bien sûr. Vous ne le sentez pas ? Oh, comment c'est stylé ! Que le début. Et vous, vous êtes au cœur des événements. Et puis, je vais pas laisser Carl s'amuser tout seul. Il y a des choses plus importantes pour l'instant. Revenez quand vous aurez terminé. Ah, et si besoin, l'atelier peut améliorer votre vaisseau. On a mis au point des modes uniques basés sur les formes de vie d'Atlas et leur défense naturelle. Ça vaut bien un coup d'œil ? Ça me va. Ok, tout le monde, on se retrouve à l'Equinox. Trésor, on a assuré mon frère. C'est vrai. C'est le dernier échantillon. Il va falloir du temps pour analyser ce noyau. Bah, faudrait se manier. Profiter de leur handicap. Bien sûr, encore. Mais on doit découvrir d'où proviennent ces primes avant toute chose. Voici ce que nous savons. Les primes sont l'œuvre des gardiens. Ils servent à recueillir de l'électrum, qui donne de la Nova une fois raffinée, et la Nova active ensuite de nouveaux primes. Mais... Grax ne peut pas changer l'électrum en Nova ? Je me trompe ? Grant sait faire. Il a appris à faire de la Nova en observant Judge. Sauf que... Non... Regardez, le cycle se termine. Dommage que ça n'en alimente qu'un. Ce sera suffisant. Son équipage continue de résister. Mais ils seront tous anéantis par les cuirassés. Qu'est-ce qu'il fait ? Bouge ! Qu'on récupère Grant maintenant, avant que Grax ne recouvre Atlas d'extracteur. Razor, toi et moi, on passe devant. Pas trop tôt. Je sais, on n'est pas nombreux. Mais des armées moins grandes que nous ont réussi.
Désarmé. Vous êtes mignon. Franchement, vous avez entendu Hunter ? Grax va continuer d'accumuler des forces autant qu'il peut. Je me débrouille toute seule. Laisse-la Prenez-en de la graine. T'as raison, Shade. Mason ? Quoi ? Il faut qu'on se sépare. Attends là, mais tu délires ? On manque clairement d'effectifs. La Légion grandit, il faut qu'on se développe aussi. On se sépare et on va chercher de l'aide sur toutes les planètes d'Atlas. Si on se sépare, on va tous y passer, un par un. Non, pas tant qu'on aura Starlink. On peut combiner nos forces depuis les quatre coins d'Atlas. Ouais, plus on sera nombreux, et plus chacun de nous sera fort. Exactement. Les gardiens nous ont sauvés. Ils nous ont donné une voie vers les étoiles. Ils nous ont extraits des ténèbres. Et que sommes-nous ? Perdus. J'ai trouvé la clé. Nous purifierons les indignes. Je vous envoie dans le cuirassé. C'est la volonté des gardiens. Sacrifier les mondes d'Atlas pour la récolte d'Electrum. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais avec les données du noyau, on sait désormais où ils ont fini. Tant mieux. Parce que deux nouveaux Primes viennent de débarquer. Pour suivre leur progression, j'ai implanté un compteur d'alliance sur chaque planète. Il indiquera à quel point chaque planète est infestée par la Légion et combien d'alliés nous avons pour la repousser. Au fait, ça veut dire quoi quand une des icônes du Prime s'excite ? Parce que celle du bas est en train de faire n'importe quoi, là. T'as raison. L'alerte du Prime sur Vélus, elle a disparu. Ils sont en train de dire qu'il y a 6 Primes rien que sur Haven. Bon, ce qui est sympa, c'est d'avoir enfin débloqué la carte... Ok, la carte du stellaire, en fait, la vraie carte stellaire, de pouvoir y accéder. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où, le Prime ? On devrait jeter un œil. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Comme tu veux. Consulte la carte stellaire. Notre armée doit se renforcer plus vite que la Légion. Et le compteur d'alliance est le meilleur moyen de se tenir au courant. Donc du coup, on doit se diriger vers une nouvelle planète qui s'appelle Vélus. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dirigera vers cette planète dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas, en tout cas. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo.